Salut à toutes et à tous, c'est Marty et Bruno. On Salut. Se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex Nocturne dans une maison un peu délabrée. Donc il y a un bâtiment ici et il y en a un autre au fond là-bas. Je crois pas qu'on le voie avec la caméra. On essaiera de s'y rendre tout à l'heure. Donc là, on a dû se faire un petit chemin, se frayer un chemin juste ici avec des poutres parce qu'il y a des ronces absolument partout. C'est même plus que des ronces, c'est des rosiers. Donc du coup, voilà. C'est un mélange de ronces et de rosiers. Ouais. Un mélange de ronces et de rosiers. Ok. Bon, bah là, on est dans la pièce principale. Ouais, ouais, la cuisine. Putain, il y a la cheminée et la cuisine à côté. D'accord. Donc là, on a des grosses cheminées à l'ancienne. Hein. Donc là, il y a des inscriptions qui ont été gravées par des gens. Maurice... 23-7-1978. La quasi-totalité des choses ici sont vides, vous voyez. On a un étage en haut, mais on ne peut pas y accéder. Visiblement, ouais, il n'y a plus de plancher. Et là, en fait, la porte était juste ici. Donc toutes les poutres ont été retirées. Hein. Vraiment, l'étage, c'est peut-être même fait exprès pour éviter que les gens s'éclatent. La tête par terre. Alors, donc le sol. Il n'y a pas de porte, juste ça qui donne sur la terrasse. Ouais, ben ouais. Là, ça a été muré. Il y avait une entrée visiblement. Et le sol, vous voyez. Alors, je pense que ça devait être quoi, le carrelage, peut-être. Enfin, le sol était en briques rouges, je pense. Bon, il y a. Enfin, je sais pas, c'est pas évident de savoir parce que. Il y a de la boue, il y a des tuiles cassées, il y a un peu de tout. Ah, et une fenêtre. Ouais, ici il y avait un Velux. Voilà, c'est. Ouais. Ok. On sait pas, c'est pas vraiment la meilleure maison qu'on ait pu visiter hein, en termes de contenu, mais c'est toujours mieux que rien. Donc là, on a juste là-bas. Donc, ouais, il y a des squatteurs qui sont passés un peu partout, ça se voit. Ils sont passés ici. Il y a des pots de yaourt, il y a des bouteilles de coca, mais il n'y a pas de tag. Ça fait plusieurs années qu'il y est, visiblement. Voilà, donc là, on a ouais, les poutres. Ils ont vraiment décidé de virer l'étage. Hein. Je pense que c'est une mesure de sécurité. Donc là, on a plein de crottes. Alors, non, c'est peut-être pas des crottes. Ah si, si, c'est des crottes. Tout simplement tombées. Non, je pense que... Oh, si, regarde, là, c'est en train de tomber, on voit. Oui, oui, mais je sais pas. J'ai plutôt l'impression que ça a été fait exprès. Parce que toutes comme ça là, arrête encore. De faire attention. Je veux bien que qu'il y en ait quelques-unes qui soient tombées, mais là c'est tout l'étage qui est descendu. Donc des chouettes, je sais pas si c'est des crachats de. C'est de la chouette. Ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Ouais, si c'est peut-être des crottes de chouette là. Ah, mais, si mais... on regarde le plafond, on peut peut-être en avoir une. Ouais non, ce serait manifesté peut-être. Voilà, c'est principalement que ça, en fait, hein, ce bâtiment. Donc, on va se rediriger vers le bâtiment suivant. Qu'est-ce que c'est? C'est toi? Non. Une bestiole. Une bestiole, il y a des musaraignes ici. Ouais. Attends, un peu moins de savoir si bouger. Non, mais c'est peut-être moi, en marchant sur la planche, j'ai dû agiter une feuille. Ouais. Ok. Bon bah on va se rediriger vers le bâtiment suivant. Allez c'est parti. Donc là il va falloir escalader ce petit pont créé par notre voie. Je sais pas si j'ai bien fait de m'engager comme ça dessus. J'ai l'impression que ça va plus faire chier quelque chose en fait. Le petit pont fait petit pont avec les moyens du bord. Moi je fais la même chose mais avec une caméra. Bon c'est simple, il n'y a pas besoin de tenir. Bon là le plus compliqué. Là je vois pas sur la caméra en fait. D'arriver à passer par ici
Attends, vas-y. Assez aisément. Alors, je pense qu'on va pouvoir s'aider de la planche, là, juste ici. Ouais. Pour écraser la végétation. On peut essayer, comme ça. Ou de la poutre. Ouais, ou de la poutre, mais la poutre... On n'a qu'à voir un peu autour si on a un accès ou quelque chose. Allez, c'est bon. Ok, donc là il y a moyen peut-être de monter ici ou voir par là. Ah là, il n'y a plus rien là. Le sol est plat. Regarde comment ça fait. T'as pas de ronces et ça traverse. Ça traverse, ça fait des racines en fait. Ah non, c'est que, regarde, on a le mur de ronces qu'on a traversé là. Enfin, il te faudrait toi à côté, parce que là on voit pas bien en fait. Quoi ? Là, le mur de ronces, c'est la Marty. Ouais. Et nous on a traversé ça. Allez, on va essayer de passer par là. Ça a l'air, ça a pas l'air très haut ici, mais je pense que ça va être compliqué de nous visiter. Et je te suis. Ça, il y a des tuyaux en PVC. Donc là, je pense qu'on peut le voir à la caméra, vous voyez. Là, c'est juste un bâtiment. C'est juste 4 murs. Deux murs. Ici, c'est pas vraiment un mur, c'est vraiment... C'est tout éclaté. C'était peut-être l'entrepôt ou la grange. Et elle a été vraiment bien pétée. Hein. Alors, on voit pas grand-chose à la caméra. Hein. Ici, il y a un stock de briques rouges qui a été fait. Ouais, à la caméra, on est désolé, hein, mais c'est vrai qu'à la caméra, c'est pas évident. Faudrait avoir des lampes beaucoup plus puissantes que ce qu'on a. À l'œil nu, on voit bien, mais ouais, à la caméra, non, c'est pas vu. Donc il n'y a pas de toit en fait. Là, on voit le ciel tout noir à la caméra. S'approcher un peu plus, mais il n'y a rien. Ouais, non. Il n'y a rien en bout. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais on pourrait être étonné. Ouais. C'est une porte que je vois là-bas ou une fenêtre. Comme ça, là-bas ? Ouais. Ouais, ça a l'air d'être une fenêtre. Mais on ne pourra pas y aller. C'est juste une fenêtre, non, on est trop gros. Je vais regarder mon retour par terre. Voilà. Et voilà. Bon, bah... Attends, on se dégage de là. On s'arrache de là. Le chemin il est là. Attends, on se met à l'abri. Vas-y. Bon, on va se rediriger sur la route et on se retrouve tout à l'heure. Allez. Let's go. Petit récapitulatif des maisons abandonnées que l'on vient juste de visiter. Donc, on a constaté que l'étage dans l'un des bâtiments est complètement condamné, enfin il n'y a plus d'étage, les poutres sont au sol, au rez-de-chaussée. Il y a des ronces partout, on a dû bricoler un système pour rentrer, ouais. Écraser les ronces, et bon, moi je me suis un peu abîmé le doigt, attends, je sais pas si on voit. Enfin, on verra pas, mais pff, c'est rien, c'est que dalle. Que dire de plus ? C'était bien délabré, une bonne vieille maison. Une bonne vieille maison comme on, on les aime. Ben, j'arrive plus à parler. Le seul problème, c'est que voilà, c'est vide. Il n'y a rien dedans à part des vieux déchets. Des chouettes. Je pense que ça fait un bout de temps que plus personne ne va là-dedans. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller. Voilà, bon, ça fera quand même une petite vidéo sympa. Petite vidéo d'urbex. Vous en faites pas, on en fera des plus grosses. On refera des bâtiments aussi bien que l'usine. On est en cours de recherche. Enfin voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao.